j'attends ce moment avec impatience parce que cette semaine, j'ai la chance de travailler avec le meilleur humoriste suisse du moment. Oui, je vais faire un cours de mise en scène fait par quand même Johann Schneider Hamann. Non, mais attendez, le mec il a cartonné, Facebook il a cartonné, YouTube mais des milliers de vues, voire peut-être même des millions. Et là, je suis impatient de commencer quand même. Ouais. Faut faire la joie. Non, il faut faire quelque chose de plus sobre. Plus sobre. Et attends, j'en ai une bonne. C'est un type qui arrive, qui voit une fille, elle est toute seule, et puis il lui dit « Dis donc, toi, t'es célibataire. » Et puis l'autre qui lui dit « Bah oui, à quoi tu vois ça ?» Il dit « Parce que t'es moche. » Rire, c'est bon pour la santé. Selon un dicton populaire. Non, je suis prêt. Mais t'es sûr, Johan, que je peux pas mettre un petit peu de fantaisie? Non, ça va pas non. Du tout. Vous êtes trop expressif. Brin de folie? Non. Non plus. Non. Comme on l'a répété. D'accord. Chères concitoyennes, chers concitoyens, bonjour. Je suis devant vous aujourd'hui pour faire le sketch des deux agriculteurs. Ce sont donc deux agriculteurs qui discutent dans un bar. Pour l'histoire, ce n'est pas très important le nom du bar. Enfin, moi j'ai un ami qui en a un. Il s'appelle Kouda, donc c'est deux agriculteurs qui discutent dans le bar à Kouda, et ils boivent un verre. Et à un moment donné, un agriculteur demande à l'autre, puisqu'ils sont deux, « Quel est pour toi le meilleur moment dans ton métier d'agriculteur ?» Alors, en temps normal, il lui dirait « C'est quoi cette question à la con ? » Mais il n'y aurait en fait pas de sketch et de fin, enfin de conclusion. Donc, il lui dit « Moi, ce que je préfère, c'est labourer les champs. » Vous savez, avec une laboureuse, il laboure les champs. Et l'autre lui répond « Et toi, qu'est-ce que tu préfères ?» Et l'autre lui répond « Moi, c'est traire le cheval. » Voilà. C'est un cheval, ça se traite. Ah, c'est très bien, c'est très bien. C'est comme il faut juste trop ni trop. Il faut comprendre, je suis pas sûr vraiment de la chute.